Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'apprête à faire une petite bêtise. Donc j'ai bien dit une petite bêtise, pas du grand banditisme. Avec Google Earth, la vue par satellite, j'ai repéré une rampe dans un camping. Donc je vais essayer de voir si je peux y accéder sans rien abîmer. Donc je veux pas tordre de grillage. Vraiment, il faut que ça ait zéro conséquence pour le camping. Et à ce moment-là, bah, je pourrais essayer la rampe et avoir quelques clips pour vous pour la vidéo. J'ai enlevé mes pegs, comme ça même si je tombe, j'abîme pas la rampe. J'ai pris le balai, comme ça si elle est sale, bah, je la nettoie, elle sera plus propre après mon passage qu'avant. Et je me suis levé bientôt, donc à 6h ce matin, c'est pour ça que j'ai un pull alors pendant le mois de juin, il fait un peu frais encore. Comme ça je me dis, même si je me fais attraper par la police, par les vigiles, par un gardien ou quoi que ce soit, c'est le matin, ils viennent de boire leur café, ils seront encore de bonne humeur, j'espère. Et je pourrais leur dire bah, la vérité, que je voulais juste essayer la rampe, avoir 2-3 images pour la vidéo et que je m'en vais, et normalement je devrais pas avoir de soucis. Voilà, donc on se retrouve au spot, à de suite. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ceux qui ont participé au concours pour gagner le guidon en titane, parce qu'il y aura les résultats du concours à la fin de la vidéo. À de suite. Donc là on est clairement en train d'arriver au spot. Je vais garer le Peugeot Partner où je peux, là où j'ai le droit déjà, histoire de pas gêner. Bonjour, excusez-moi. Vous savez si on a le droit de se garer le long ici là? Vous avez la place avec un énorme parking. Ça marche, merci. Voilà, le magnifique Peugeot Partner est garé sur le parking en question. Donc là, je vais prendre mes affaires, mon casque, mon trépied, etc. Et j'ai un peu de route à faire en BMX du coup jusqu'au spot. Donc on se retrouve là-bas en espérant que bah, on puisse rentrer et rouler quoi. A de suite. Donc là, on arrive devant le spot. Forcément, j'ose pas parler trop fort. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble de là. Il y a des mecs qui sont en train de bosser sur le site, les camions, les portes ouvertes, les mecs qui bossent, donc je sais pas trop si je peux rentrer maintenant. Bonjour, excusez-moi, je cherche quelqu'un pour demander la permission pour rouler 5 minutes la petite rampe qui est juste là avec mon vélo. Bon bah merci. Voilà. Merci, super, c'est gentil. J'ai réussi à croiser des gens qui travaillent là et leur demander la permission et ils m'ont accordé quelques minutes, c'est vraiment super gentil à eux. Je vais essayer de faire au maximum en 5 minutes pour pas les déranger trop longtemps vu qu'ils m'ont quand même donné la permission, ce qui m'évite de faire une bêtise. Franchement, pas facile, pas facile. Rien que de faire les tricks habituels, classiques, un bust tail tap, franchement, mission là-dessus quoi. C'est tout bas, donc faut quand même pas mal tirer, mais ça tape en bas. Enfin, c'est vraiment pas adapté à des roues de vélo quoi. C'est vraiment fait pour le skate, je pense. Que franchement, j'ai largement eu assez pour la session. Surtout que le soleil commence à vraiment monter dans le ciel, il commence à faire vraiment chaud. Puis il n'y a pas d'ombre, la mini elle est en fer, ça chauffe. Donc je vais y aller et surtout, je veux pas abuser de leur temps. Franchement, c'est vraiment gentil au camping de m'avoir laissé rouler. Franchement, c'est cool au milieu des petits palmiers, des petits arbres, au bord de l'eau, du sable et tout, ça tue. Et la prochaine étape, bah, c'est les résultats du concours. Donc je vais peut-être filmer 2-3 plans du paysage parce que c'est joli et on se retrouve à la voiture pour le résultat du concours. A toutes. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Ça veut dire que c'est le moment de faire le tirage au sort pour savoir qui remporte le guidon titane de chez Xmod. Donc pour ça, je vais utiliser un site en fait qui sélectionne de manière aléatoire un commentaire parmi tous vos commentaires et le nom du gagnant s'affichera. Donc je vous ajoute ça de suite au montage. C'est parti. Et voilà, tirage au sort effectué. Donc comme vous avez pu le voir à l'écran, c'est Hugo Ride qui remporte le guidon en titane. Donc Hugo Ride, envoie-moi un message sur Insta, un DM. Comme ça on s'occupe de faire tout ce qu'il faut pour que tu reçoives ton colis avec le guidon.
À part ça, un grand merci à Xmod grâce à qui ce concours est possible. C'est fait vraiment plaisir de permettre à l'un d'entre vous de tester le Titan. Pour les autres, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres concours à l'avenir. Et puis, en attendant, prenez soin de vous, roulez bien pour ceux qui roulent, et à très vite, que ce soit dans une vidéo ou sur un spot. Bye!